Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 11e épisode de Judgment. Alors la dernière fois, j'ai laissé penser que le jeu n'était pas très très bien apparemment. Alors honnêtement, c'est pas que le jeu n'est pas bien, c'est que on en fait vite le tour et c'est très vite répétitif. Parce que bon, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre en route. Allez! Allô Maurice! Ah, ça y est, c'est bon. Désolé, camion. Voilà. C'est assez répétitif, je veux dire. Bon, là d'accord, on est en mode facile et tout. On en chie plus en mode avancé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais pas dire le contraire. Mais... à partir du moment où tu as commencé à faire ta base, que ta base est relativement bien faite par rapport à tes défenses et tout ça, je veux dire, là c'est merdique hein, ce que j'ai fait. Hein. C'est pourri en vrai. Mais une fois que tu as bien des défenses un petit peu partout et compagnie, tu peux faire des choses. C'est la chose un petit peu qu'il faut comprendre, c'est que le jeu est assez répétitif. On revient souvent à faire exactement la même chose. Donc c'est pas non plus extravagant. Oula, 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 oula. Eh bah oui, à force. Donc oui, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, ça revient extrêmement souvent à la même chose. Donc, on ne peut pas vraiment dire... Donc je sais souvent plus compliqué non plus quoi. Je veux dire bon là vous voyez vous avez pas des attaques non plus sans cesse. C'est pas je veux dire au point où ça en est là, au point de développement, il n'y a pas toutes les recherches, à mon avis ils vont peut-être sûrement rajouter d'autres choses. Mais là c'est un petit peu au point mort. Alors est-ce que c'est parce que il y a énormément de jeux qui sortent en même temps? Au final, on regarde tous les mêmes. Hein. C'est toujours pareil en fin de compte. Et c'est un petit peu le truc que je trouve un peu dommage parce que justement maintenant on est sous une pluie de jeux. Or les trois quarts en early access. Qui au final n'avance pas plus que ça. Je veux dire, il y a des jeux, ils sont toujours en alpha, et ça change, ça reprend, ça change, ça reprend. Voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être dire bon, ben, au lieu de développer 15 jeux différents pour se faire un max de mailles, qui est un max de personnes, ça, il faut peut-être commencer à diminuer et puis plus voir. Par rapport au jeu et puis vraiment les finir quoi. Je veux dire, il y a plein de jeux qui sont pas finis mais où ils sont finis à la piste quoi, honnêtement. Ouais hein. Les jeux, ils ont exactement les mêmes principes. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut peut-être y arrêter et arrêter qu'on se foute de la gueule des joueurs quoi. J'ai dit combien? Attends, la Desert Eagle. 20. Ça me manque 8. Alors effectivement, je laisse beaucoup de blanc. Et ça, c'est pareil.
J'ai eu des commentaires, enfin pas des commentaires sur mon truc, mais j'ai reçu des messages un petit peu désobligeants, on va dire, entre guillemets, me disant oui, de toute façon, tous les youtubeurs, vous êtes fatigués de jouer. Alors, c'est pas, il faut pas penser juste au fait de. Il y a plein de choses, vous savez, pour une vidéo. Si vous êtes youtubeur, vous devez le savoir. Si vous êtes, si vous ne faites que regarder les vidéos. C'est compréhensible que c'est pas forcément évident de comprendre comment se font les choses. Certes, il y a l'enregistrement. Alors déjà, il y a la condition de l'enregistrement. Prenez par exemple, moi je suis obligé de faire relativement tard dans la nuit parce que ben avec mes enfants, il n'est pas évident de faire. Alors attendez, on va essayer de se dépêcher cette fois-ci par contre. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Là, on les envoie tout de suite parce que tout à l'heure, on s'est fait avoir. Bon, c'est pas que je kiffe avoir une nouvelle personne, mais bon, c'est. Ça permettra éventuellement d'envoyer deux personnes en même temps. Enfin, deux groupes en même temps, même voire plus. Ok. Toto, on peut le mettre relativement loin. Ok. C'est parti. Je vais revenir après hein, sur ce que je disais. C'est que voilà, vous avez certains de mes collègues youtubeurs qui ben eux ne peuvent enregistrer que après leur travail ou des choses comme ça. Donc forcément, on a tous une fatigue qu'on cumule petit à petit. Là, c'est les vacances, je pense que comme beaucoup. Bah vous, on sort. Je sais pas s'il y en a un ou deux en fait. Y en a deux apparemment. Il y en a qui ont morflé un peu. Ça a l'air. Ouais, par contre, ça c'est complètement pété là. Leur truc là, c'est mal foutu. Donc voilà. Donc certains collègues, bah. Après leur journée de travail, vont. Décide de faire des vidéos. Alors bien sûr, il y en a qui font leurs vidéos pour l'argent et tout ça. Ça, je vais pas vous le cacher, c'est vrai hein. Il y en a qui sont comme ça, mais vous avez beaucoup de youtubeurs qui ne sont pas forcément des gros youtubeurs hein, tous des plein de petits youtubeurs qui font ça avant tout pour s'amuser et
Voilà. Donc, ouais, il y a un petit peu qui ont morflé, mais c'est pas trop trop grave. On va rentrer. Ouais, on va vraiment faire une shot, puis voir que, ce que ça donne. J'espère pouvoir le faire dans cet épisode-là. Au pire, allez, ça fera celui d'après. Par contre, honnêtement, par la suite, les épisodes, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors vous voyez là je pourrais prendre par exemple n'importe quel de mes machins puis augmenter le côté crafting hein, tout simplement hein, pour Ah ça c'est nouveau ça. Ah ok. Ok, c'est pas mal ça. C'est nouveau ou alors je l'avais vraiment pas vu auparavant. Ah ok. Donc si j'ai fait ça, ça veut dire que là ils vont me faire en priorité, ils vont me faire le scrap. Si j'ai bien compris. Je crois que là je vais me faire attaquer hein, si j'ai bien compris. Attaque imminente, oui. Ça. Oui, c'est ça. Ok. C'est con. Ok, alors. Alors j'en ai deux en haut. T'es sérieux, j'en ai que deux en haut? Allez, c'est puis deuxième P en plus. Deuxième. Alors, Toto. Mon petit Toto. Ah, c'est nouveau les recherches, machin. Et des machins, ils ont changé, j'ai pas trop. Enfin, attention, je vous avoue, j'ai pas trop lu les différents changements. En fait, vous savez quoi? J'ai même pas trop envie de changer. Toi, t'as quoi? Et vous savez quoi? Pour ce que c'est, on va le mettre en lecture. Une attaque de merde en plus. Craft. On en était là. On en était là. Donc j'ai encore 5. Donc 3, 3.
comprends pas trop cette histoire, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Oui, donc, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Ça m'arrive de temps en temps, je vous assure. Effectivement, donc il y a eu pas mal de personnes, il y a surtout une personne qui m'a envoyé un message en me disant « Oui, tu te plains d'être fatigué et tout ça. Penses-tu franchement que c'est fatigant de jouer aux jeux vidéo ?» Alors, c'est pas tant de jouer aux jeux vidéo qui est fatigant, bien au contraire. C'est reposant pour la plupart des jeux vidéo, sachant malgré qu'il y en ait pas mal avec les nerfs. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une fatigue à 10 heures, on ressent une fatigue. C'est selon ce que vous avez fait votre journée. Si vous êtes sorti, vous avez marché toute la journée, effectivement, le soir, si en plus il y a eu des fortes températures qui fait chaud, forcément, le soir, vous allez être crevé. Vous allez être fatigué, donc faire une vidéo le soir même va forcément vous amener à des hésitations, à tout ce genre de choses. Pardon, donc il faut vraiment prendre les choses tranquillou et arrêter de penser que les vidéos se font un claquement de doigts. Elles ne se font pas non plus, ça ne demande pas un gros effort pour les faire, hein. Vous savez, c'est comme j'ai déjà expliqué, vous prenez, vous capturez, vous enregistrez en même temps votre voix, vous avez le logiciel qui fait ça, ensuite vous avez le logiciel de montage. Si vous avez une intro, une outro, des symboles à mettre, vous pouvez pré-enregistrer la chose pour que ça se fasse tout seul. Donc après, quand il y en a, ils disent « Oui, mais le montage que je fais avec pour vous, machin et tout ça », sachant que généralement, ces personnes-là ne sont pas forcément les personnes qui font des plus gros montages. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'animation qui sort à droite à gauche, il n'y a rien de tout ça. Ou parfois, certains des youtubeurs qui ne font même pas eux-mêmes leurs propres vidéos, ça c'est encore pire je trouve, honnêtement, parce que l'honnêteté vis-à-vis des viewers, selon moi, c'est quand même relativement, il y a quand même une importance, même si certains viewers, on va dire, ne méritent pas autant d'importance. Donc là, on attend. On a que ça à faire, de toute façon, attendre. Là, il faut qu'ils craftent les objets. Puis une fois que les objets sont craftés, voilà. On ira à l'assaut de 15. Allez, parce que là effectivement on attend que ça et après il va falloir faire un shotgun. Donc il va nous falloir du gunpowder, ouais, je peux en faire. Donc il m'en faut 15. Voilà, ça c'est facile à faire. Des weapon parts, il va falloir que j'en fasse d'autres. Et du scrap. Sauf que pour faire des weapon parts, il faut du scrap. C'est ballot. Donc effectivement, en fait, je pense à ça. Je pense qu'il n'y aura qu'une seule saison pour ce let's play là. Je ne pense pas refaire des vidéos sur Judgment par la suite. Enfin, dis-moi, je vais finir le let's play.
Mais, et encore finir le let's play, c'est façon de parler, hein, on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de vraiment continuer. Parce que je... Je sais pas, le... Au départ, le jeu, franchement, je le trouvais cool. Ce que c'est ça, mais c'est pas grave. Si c'est un autre poste, enfin bref, donc effectivement, nous avons tous une fatigue, que ce soit moi ou mes collègues youtubeurs. On peut comprendre qu'il y ait une certaine fatigue. Donc là, il faut attendre qu'on arrive de nouveau au-dessus de 40 pour crafter un Desert Eagle. Et par la suite, on fait pour avoir un shotgun. Et une fois qu'on aura ces deux choses encore de fait, on pourra attaquer le portail et voir si c'est faisable ou pas. Désolé, je disais un petit truc. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont de plus en plus, comment dire, avares d'argent. Ben après, c'est simple, hein, quand on touche un petit peu d'argent en faisant pas énormément de choses, en faisant éventuellement une chose que l'on aime, hein, jouer aux jeux vidéo, c'est un plaisir avant tout. C'est une détente quand tu peux allier plaisir et bénéfice. C'est t'as toujours envie d'avoir plus. Et bon, c'est comme ça. On va pas changer le monde. Il y aurait énormément de choses à changer, et puis bien des choses bien avant même de changer ça. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais je suis tout à fait d'accord avec certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me parlant de certains youtubeurs, de ce qu'ont fait certains youtubeurs. Ouais. D'un côté, honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mon problème. Et quelque part, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment... Si les mecs, ils ont que ça à foutre, bah écoute... Tant mieux pour eux, hein, quelque part. Après, il faut pas oublier, hein, le pouvoir qu'a un youtubeur, c'est sa communauté qui lui offre, hein, donc c'est les viewers, hein, donc quelque part c'est vous, pas forcément vous directement, mais c'est complètement ça. Allez là, c'est putain, mais je suis couillon moi aussi. Or oui, je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est abruti celui-là, il pouvait pas en mettre, au lieu de laisser en lecture, il pouvait pas mettre en accéléré encore plus, histoire que ça, que le temps passe, bah oui, bah, le temps passe. Désolé. Allez, on va pouvoir faire le Desert Eagle. Hop, voilà, un Desert Eagle. Maintenant, il faut... Donc, on a la gunpowder. Du scrap.
Bon, il en faut 30, oh là là. Je peux en faire beaucoup plus. Je pense qu'on va aller dans les 100. Ah, je suis désolé, on va pas encore pouvoir s'attaquer au portail. Ceci dit, on va bien avoir avancé, donc on va pouvoir le faire complètement l'épisode prochain. Je me demande si ça, c'est pas mal en fait. Ah bon, c'est pas grave. Explosif. Non, non. Non. En fait, peu importe où c'est que je vais, c'est pas... Le désert Tigal, il est fait. Combien j'ai dit qu'il m'en fallait? 15. Ah. Merde. Pardon, excusez-moi. Et oui. Donc là, maintenant, il faut que je reconstruise... ceci, et il me manque quoi? Du scrap, de la brique et des planches. Bon, on va y arriver, on veut pas y arriver. On en est où dans cette histoire? Donc pour faire le shotgun, déjà j'ai plus de gunpowder. Il m'en faut deux. Gunpowder, weapon park et 30 scrap. Putain. Aïe 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 aïe. Et voilà qui est con, encore une fois, j'ai oublié tout simplement de faire ça. Voilà. Les amis, on va s'arrêter là parce que je vous avoue que là j'ai les yeux qui se ferment tout seul. Je ne sais plus trop quoi vous dire pour vous tenir en haleine. Et voilà, étant donné que le jeu il faut attendre, encore une fois, c'est assez difficile. Écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, liker
et partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao.